Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Alors, je vérifie que tout fonctionne, le son, l'image. Ça. Les commentaires. Ok, bah dites-moi quand vous arrivez, je vais essayer de partager ce live. Faites-en autant. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Dites-moi un petit mot. Voilà. Ok. Tout fonctionne. Le son, l'image. Coucou Caroline, coucou Claudine, j'espère que tu vas bien Caro. J'ai vu qu'on n'a pas pu se voir ce week-end parce que ma chacha a été bloquée. Elle doit aller mieux aujourd'hui, j'espère. Salut Katel, merci de partager. Salut Nathalie, Annie. Allez, je vous laisse 3 minutes pour arriver. 3 minutes, c'est un bien grand mot. 3 secondes, le temps que Facebook nous mette les notifications. Nadine, allez, on partage ce live et je vais pendant ce temps, je le partage une fois et vous, je vous laisse le partager si vous le souhaitez. Moi, le seul groupe où je partage, c'est celui-ci. Tout fonctionne. Voilà. Je le partage dans le groupe Occitanie, moi. Ah, tu l'as vu hier. D'accord. Bah, elle me l'a. Je regarde là parce qu'en fait, j'ai les commentaires ici. La vidéo là. J'ai changé un petit peu mon organisation. C'est cool. Alors, si tu l'as vu, je suis contente. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, bonjour à toutes, bienvenue dans l'atelier. Je suis Christine, je suis démonstratrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis donc vendeuse pour la marque Stampin' Up. Je vends du matériel de loisirs créatifs pour faire du scrapbooking, de la carterie. Et je vous montre et je vous explique comment vous servir de ce matériel toutes les semaines en live sur Facebook. Sur YouTube en rediffusion. J'ai aussi un Instagram où je mets en principe en ce moment, j'ai pas forcément le temps de le dissocier, mais j'y mets aussi des choses différentes, des fois des petites vidéos plus courtes de techniques. Et je suis heureuse de partager avec vous toutes les semaines dans la joie et l'amour du maire. Sur le groupe, on se retrouve une fois par semaine aussi pour des tutos et des astuces. Coucou Sandrine et Sandrine 2. Salut Angélique, je regarde Martine, bonjour. Vous voyez mon équipe, pas au complet, mais il y a une belle brochette. Les filles. Hier, vous avez vu passer sur mon Facebook tout ce qu'elles ont créé pour notre rencontre de lignée. Cette fois-ci, elle a été virtuelle et elle a été malheureusement annulée. Mais les échanges ont été plus que généreux et magnifiques. Donc voilà, vous voyez, il y a la petite tortue là que j'ai reçue en cadeau. De Béatrice, coucou Betty, Rachel, je sais pas, non. Salut Chris. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois vous montrer? Je voulais vous montrer qu'il y avait un réassort de cadeaux. Alors, la sab, pour celles qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire la sab? La salle, c'est la salle, c'est la salle à Brushon. Donc, c'est salle solde. Promotion et c'est un jeu de mots pour célébrer, célébration, voilà, c'est un jeu de mots américain, c'est pas très coucou Martine. Et donc pendant cette période qui est de juillet à août, du 1er juillet au 30 août, 31 août, 30 août c'est mon anniversaire,
Au 31 août, par tranche de 60 euros, vous pouvez cumuler. Et il y a des cadeaux par tranche de 60 euros et des cadeaux par tranche de 100 euros, 120 euros d'achat. Chaque fois que vous faites une commande sur la boutique en ligne auprès de moi de 60 euros minimum, et après si vous cumulez 120, et je ne vais pas vous faire la table de multiplication des 60, vous obtenez des cadeaux. Donc, comme on est à la moitié de la SAB, il y a, comment ça s'appelle? Il y a un réajustement de cadeaux. Soit parce que nous allons manquer de stock, donc la petite brochure qui est ici. Voilà. Dans cette brochure, ce ne sont que des cadeaux exclusifs. Vous ne pouvez pas les acheter. Vous pouvez juste les gagner, les avoir en cadeau. Donc les hippopotames, les dice d'hippopotames, ce beau papier, anneau d'amour, on avait fait des belles créations et on en refera. Les cartes et notes, j'en parle pas. Le petit renard. Coucou. Nyange, j'arrive jamais, je mange ton nom chaque fois, ça m'agace. La table des 60. Tu vois, tu la connaissais pas cette table des 60. C'est une invention personnelle. Oui, je fais toujours des petits trucs comme ça, là. Il faut savoir quand on me connaît. Maintenant, j'invente des mots. Voilà, je crée mon propre vocabulaire. J'ai déjà du mal à l'écrire, alors je le crée. Coucou Sab. Oui, moi aussi, je suis contente de te voir. Donc voilà. Et donc cette brochure-là que vous avez sur le côté, vous avez dû la recevoir par mail si vous faites partie de mes clientes. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet, il y a le lien en dessous et vous verrez. Il y a trois beaux plioirs de gaufrage que je n'ai pas sortis. Il y a des dice. Je vais vous montrer celui-ci-là parce qu'on ne voit pas bien ce que c'est. Et on va surtout travailler. Nous, allez, on passe aux mains. Est-ce que j'ai des félicités aujourd'hui? J'avais une félicité, mais je l'ai fait sur mon groupe hier. C'était pour Brigitte. Ma Brigitte, je pense fort à toi. Un petit dédicace pour toi, ma Brigitte. On pense à elle. Elle est allée faire des examens, mais tout va bien se passer. Et donc, elle m'avait fait une très belle carte. Je vais vous la montrer. Voilà. J'ai aussi reçu des cartes de Claudine et de Sandrine pour mon fils. Je vais les transmettre et après je les mettrai sur le groupe pour vous remercier. Merci beaucoup, elles sont très très belles. Coucou Chantal. Appelle-moi Nîmes. Non, quand même, je vais t'appeler Nagia. Niange, Niange, Niangette, Niange, Niangeon. Allez, je vais t'appeler Nîmes. Donc voilà, merci. Merci mon ami d'avoir fait ce beau, 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 beau Brigitte, ce beau triptyque avec ses papiers. J'adore. Donc aujourd'hui, je vous disais, la SAB, il y a un réassort. Les stocks sont encore valables. Hein. Bonjour Marie Blandine. Si vous c'est la première fois, n'hésitez pas. Comme Marie Blandine, j'ai pas l'impression de vous connaître, de mettre un petit mot. Donc tous les cadeaux qui sont dans le catalogue, on n'oublie pas pour rejoindre l'équipe avec coucou Béatrice. Oh, tu es au travail. Eh bien, on pense à toi. On a regardé la petite tortue que tu nous as offert. Béatrice, donc fait partie de mon équipe. Si vous voulez rejoindre l'équipe, n'oubliez pas. Toujours pendant la SAB, l'offre est toujours la même, c'est 129 euros payés. Vous choisissez jusqu'à 175 euros de produits. Et en cadeau, vous avez un set de tampons exclusifs, des carnets et un magnifique, je vous le montre toutes les semaines parce que je le surkiffe, un planeur, agenda. Vous en faites ce que vous voulez, il est trop beau. Voilà, moi je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Ça, c'est si vous rejoignez l'équipe. C'est la première fois. Eh bien, bienvenue. Merci d'être là et merci d'avoir mis un petit mot. Salut Sylvie. Je vais arrêter de dire bonjour à tout le monde. Je vous embrasse et je reviendrai après sur les petits mots que vous m'aurez mis.
Alors, je voulais aussi donc vous montrer. On ne voyait pas bien sur la brochure, mais il y a ce plioir. Ce plioir. Pourquoi je dis ce plioir? Comment ça s'appelle? Ce dice troué. Il y a. On voyait les dice comme ça. Ce sont les dice pour faire les jonquilles qu'on a eu l'année dernière et qui sont restés. Et c'était bien fait, réconfortant. C'était les dice qui étaient montrés, qui étaient offerts, qui sont assortis avec ce set de tampons qui est aussi superbe. Donc, vous voyez, c'est l'anniversaire de. Oh, merci d'avoir dit que c'était son anniversaire. Coucou Béatrice, joyeux anniversaire. On lui fait plein de bisous à notre Béatrice qui nous gâte, qui a fait des magnifiques créations aussi pour le groupe. Donc, et je m'éparpille entre les anniversaires et tout ça. Et donc, celui qui était en cadeau aussi de Dice et que j'aime beaucoup, c'était celui-ci. Alors, il se suffit à lui-même. Bien sûr, il va découper l'oiseau. Ah, c'est Sylvie, son anniversaire. J'ai mélangé. Je ne sais pas, c'est l'anniversaire. Béatrice, Sylvie. Eh bien, aujourd'hui, c'est les anniversaires. Joyeux anniversaire. Je ferai des cartes spéciales anniversaire. Je vous les enverrai aujourd'hui, alors. Donc, vous voyez la branche qui se tamponne, l'oiseau qui se tamponne, mais après, le dice peut plier, il se suffit à lui-même, il est juste magnifique. On peut s'en servir comme ça ou on peut s'en servir détouré. Là, j'ai choisi de m'en servir comme ceci, avec l'oiseau colorisé. C'est la semaine de la colorisation dans mes créations cette semaine. Je vous ai montré, non, vous allez les voir passer tout au fil de la semaine. Donc là, l'oiseau a été colorisé avec les feutres à alcool et le dice, tout simplement. J'ai un peu tamponné avec la branche pour faire imitation bois, mais je vais vous montrer, j'ai fait autre chose avec. Regardez ça, alors je l'ai trouvé sur Pinterest. Pas inventé, mais le dice découpé en noir dessous, j'ai mis le papier de la sable, petite rayure or et le petit chapeau. Alors faites attention, regardez, moi, mon petit chapeau, la bannière, elle a glissé. Regardez ce papier à paillettes, je voulais vous le montrer parce que c'est celui-ci. On n'en a pas encore parlé. Regardez ce papier à paillettes, il est. Je crois qu'il est vert noir, vert foncé. Je pense qu'il est épinette enivrante. Il est magnifique. Il fait un rendu. Juste, regardez, splendide. Le or, il se passe de commentaires. C'est de l'or, c'est de l'or. Hein. Et il y a un blanc miroitant, je crois, dedans. Oui, et alors vous voyez, c'est épinette enivrante, très vanille et or. Beaucoup parce que j'ai fait les lots. Voilà, il reste. Et le trait vanille, c'est celui-ci. Donc ça fait trois feuilles, trois belles couleurs. Je trouve ça superbe. Et le épinette, on n'avait jamais eu de vert pailleté. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, je vous disais, j'ai pas. Je regarde quelque chose juste rapidos. Oui, c'est ce que je pensais. Le plioir de gaufrage est offert en ce moment, le bois. Et donc, j'ai passé dans la machine de découpe des petits undies que j'ai d'abord découpé. Et après, merci Sylvie. Et après, je l'ai passé dans le plioir de gaufrage bois. Et ça donne un double effet, c'est assez sympa. Donc, allez, et je voulais aussi vous montrer, hier j'en ai montré du blanc nacré, les petites perles là. J'ai sorti le noir. Regardez le noir, comme ça fait beau. Ça brille. C'est vraiment joli. Ça fait très très beau en noir, je trouve aussi. Ça donne un petit côté nuit, forêt. Voilà.
Là, je l'avais fait de cette couleur pour aller avec mes cartes notes. Vous savez que pendant 2 mois, j'utilise tous les produits de la Sab. Allez, j'attends un petit peu voir vos commentaires. Merci, merci. Hop, lui là, je le supprime. Merci, merci, merci. Allez, et puis je vais vous montrer donc comment j'ai créé cette petite carte. Donc, j'ai découpé mon dice. Je vais lui donner un peu de matière aussi avec les feutres à alcool. Je vais repasser dans les petits traits là du bouleau. Je pense que ça va donner un petit peu de vie à mon arbre. Je pourrais le faire passer dans le pivoir de gaufrage. Ça serait bien aussi. Mais ça ira bien. Et j'avais sur ce modèle-là, j'avais pris ma petite branche et je l'avais tamponné un petit peu sur les bouleaux comme ça. Ça donnait cette sensation. Là, on va le faire comme ça aujourd'hui. Nous avons voilà. J'espère que ça n'a pas. On va le signaler, ce commentaire, et le supprimer, les filles, parce que je trouve qu'il abuse un petit peu, le Patrick Ruffin. Est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous le voyez? Si vous pouvez le faire aussi, c'est très bien. Allez, j'espère que ça n'aura pas bloqué le live et que vous êtes toujours là. Il insiste lourdement et en plus. Voilà, j'espère que cette fois-ci. Coucou Catherine! J'espère que cette fois-ci, il va être bloqué. Alors, là, j'ai changé de variante. Vous avez vu le petit oiseau, je l'ai mis en. Là, je l'avais mis en Copacabana et gris. Et là, je l'ai mis la tête rouge, comme un rouge-gorge, et en gris aussi. J'ai fait des petites branches pour voir un petit peu ce que j'allais faire. J'ai fait une étiquette. On a dit aujourd'hui que ça allait être les anniversaires. Merci, ouais, ça va. Ouais, c'était ça, il s'accroche, Claudine. Donc, j'ai pris des cartes notes et enveloppes parce que derrière ce petit. J'aurais pu prendre la verte pour changer. Ce petit feuillage, je trouve que ça va bien. Je vais réajuster ma découpe pour qu'elle rentre parfaitement dans ma carte note et on va construire. C'est vraiment aujourd'hui un petit live tout simple. Je vous avoue que dès que j'arrête ma petite climatisation portative dans mon atelier, c'est un peu l'enfer aujourd'hui, hein. Ce matin, je suis allée chez des amis arroser leur jardin à 7 heures. Je me suis fait manger par les moustiques. J'étais le plat de résistance. Il fait tellement chaud. Donc les cartes notes et enveloppes, elles font 14 sur 18. Donc on va en enlever un bon peu ici. Et si elles font 14, ça serait bien. Voilà. On va faire 13, 8. Et alors là, il faut faire un petit peu attention pour regarder et ne pas mâchouiller le peuplier. Ah, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire. Voilà. Là, je pense que c'est bon.
Ça va rentrer et on voit le tour de la carte, ce qui est assez joli de voir un petit peu le contour. Moi, j'aime bien. On peut le mettre soit en relief, soit à plat. Moi, je vais le mettre en relief parce que je trouve que ça va donner du volume et de la profondeur. Hop. Donc là, je vais y aller à la pratico-pratique. Je vais prendre carrément ma mousse. Je ne vais pas prendre des petits morceaux parce qu'il va falloir. Sinon, que j'en mette un peu partout. Regardez, je découpe des gros carrés dans la mousse pleine. Celle que d'habitude, je découpe des lettres dedans ou toute autre chose. Et je vais m'en servir comme ça je mets un gros carré ici, un gros carré là. Ça va être parfait. J'aime bien quand ça tient, que ça fait ce pas. Donc le fait de mettre des gros carrés de mousse, ça va être plus équilibré. Donc moi, quand je l'ai vu, ce dice, ça fait longtemps que je trouve les dice peupliers très 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 beaux pour faire les pages de scrapbooking. J'adore. Je vais vous montrer pourquoi j'aime ça. Voilà. Hop, c'est collé. Où il est mon peuplier que j'ai découpé? Vous ne voyez pas? Là, il est là. En blanc. On va pouvoir, on n'est pas obligé de garder toute la découpe. Vous voyez, on n'est pas obligé de garder le rond. On peut enlever le rond et se faire une découpe comme ceci qu'on va placer. Bon, là, je dis n'importe quoi, mais parce que j'ai rien sous la main, mais vous voyez, on va placer sur quelque chose et ça va donner. On va le faire totalement différemment. On n'est pas obligé d'avoir tout le rond de la carte. On peut prendre juste les boulots même. Comme ça, tac, tout droit. Ça va être très très beau. Je ferai quelque chose avec ça, je pense, et je vous le montrerai. Allez, on continue sa construction. Donc le petit oiseau, vous voyez, je l'ai déjà colorisé. Feutre à alcool, le clair, le foncé, on fait des nuances, on patine. Je cherche, me direz-vous, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon plioir, parce que je vais, pareil, lui aussi. Alors, déjà que je fais que dire le poussin obèse, vous trouvez pas qu'il est gros? C'est un petit poussin obèse. Je l'arrondis encore plus pour qu'il soit encore plus rond. Regardez, nous avons le casse-pied qui est parti. C'est pas grave. Pour être sûr, il y en a un autre qui arrive. Nous sommes victimes de notre succès, les filles. Allez, donc pareil, on va construire. On va le poser sur la branche. On va rajouter du feuillage. Alors, je vais prendre celui-ci qui est clair. Je vais mettre une grosse ou des petites feuilles. Hop, comme ça. J'aime bien. Ça va être vraiment une construction de ce que vous avez envie. Et par contre, donc, hop, lui, pareil, je vais lui mettre de la mousse. Mais comme j'ai dit que j'allais lui gonfler le bidou, c'est ça. Ça cramponne. Ça cramponne, ça cramponne. Vous voyez, hop, j'arrondis, je le mets, j'arrondis. Je sais, Martine, moi non plus, je n'arrive pas à suivre les dates d'anniversaire du groupe. Il faut que je les remette ce matin. Je vais le faire. Il y a des personnes qui ne les ont pas données.
qui n'ont pas donné leur adresse ou qui, voilà, qui veulent pas participer, c'est pas très très grave, hein, chacun fait comme il a envie. Je vais essayer de reprendre et de faire un fichier qu'on puisse rajouter. J'aimerais faire un fichier où chacune puisse rajouter. Donc voilà. Là, vous voyez, j'ai mis deux épaisseurs pour que ça soit bien en relief. Je vais me fixer mon petit oiseau ici. Voilà. Je vais coller avec ma mousse 3D. Je pourrais même en mettre un peu plus. Voilà. Vous voyez, je fixe les choses par derrière. Comme ça va donner du volume. Et après, on va mettre une petite feuille ici. Peut-être que je devrais mettre une grosse. Vraiment là. Ça fait un peu beaucoup la grosse. Donc je vais mettre deux petites. Allez, par contre les feuilles, je vais les coller avec un peu de colle. Je mets la colle dessous. J'ai abusé. Hop. Je la glisse. Voilà. Voyez, après la composition, on fait vraiment comme on sent. Hop. On va voir si on a un mot joyeux anniversaire. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Je m'en rappelle plus. Dans le set de tampons. Peu importe la saison. Ok. Oh, ta gentillesse réchauffe mon cœur. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que ça rentre dans mon étiquette? Yes. Mais j'avais dit que je ferais un joyeux anniversaire. Et hier, je vous ai montré. Alors, on a le set de tampons avec tous les mots qui est offert pendant la SAB, c'est celui-ci, mot à mot. Et on n'a pas de joyeux anniversaire dans celui-ci, mais dans celui-ci, les plus belles occasions, on a un joyeux anniversaire. Est-ce qu'il rentre dans mon étiquette que j'ai déjà fait? Yes! Donc, je vais le mettre. Donc, en rouge, une autre, ça fait une autre couleur, c'est différent. Donc, je devrais être plus la stamparatus, ou, mais je vais le faire comme ça. Je me fais confiance. Tac, et c'est parfait. Oui, il faut que je regarde. Je ne sais pas comment faire le fichier partagé sur le groupe, mais s'il y en a une qui sait, vous êtes bien aimable. Alors, vous avez vu dans celui-ci, j'avais mis un mot plus petit et j'avais mis une étiquette en bronze. Et ça faisait joli, ça donnait un peu de matière. Celle-ci, là, je la trouve un peu fadasse. J'avais pas mon papier à paillettes là, sous la main. Alors, si on mettait un peu d'or dans notre vie, est-ce que ça serait pas sympa? Ou un peu de blanc qui brille? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Soit. Est-ce que ça va donner un petit contraste? Pas trop, hein. Et l'or, c'est pas non plus. C'est gentil, Sandrine. Oui, effectivement. Si une d'entre vous sait comment l'articuler, je suis preneuse. Bon, je vais tenter ça. Ce petit vert. On ne va pas en mettre beaucoup. Vous allez voir.
Vous allez voir ce qu'on va faire. Après, si c'est pas. Si c'est pas gracieux, on le mettra pas. Hop. Tout sera en relief aujourd'hui. Tout sera en mousse 3D. Ce papier mousse 3D, j'adore. Hop. Donc, je me mets ici. Je suis dans le champ. Je me mets ici. Je fais un petit relief qui dépasse. Pour mon étiquette, je prends mon ciseau. Je ne sais pas si je fais ça. En tout cas, je suis mon étiquette. Ça, c'est sûr. Ici, comme ça. Donc, ça fait un peu épais. Je vais réduire. Mais ça fait joli d'avoir ce petit contour. Ça habille. Peut-être que ça n'aurait pas été nécessaire qu'il soit en relief. À plat, il aurait été plus près de l'étiquette. Ça aurait donné du relief. Mais vous savez, mon côté un peu généreux. Et voilà. Et ben, je trouve que de l'avoir entouré en brillant, c'est joli. Tout plein, ça met du relief. On va mettre comme si l'oiseau se posait sur le joyeux anniversaire. Ah oui, Sandrine, elle est toujours, toujours, toujours prête pour rendre service. Et en plus, elle a des compétences que je n'ai pas. Donc, c'est toujours appréciable. Et je dis pas non. On va faire ça ensemble. Je t'en remercie. Le groupe sera ravi. Voilà, deux versions différentes. Une rouge et avec ce petit liseré vert pour les paillettes, le papier à paillettes. Je trouve ça assez beau. Et l'autre, plus sobre avec le côté bronze. Ah, j'avais dit qu'on mettrait... Ah ben oui, comme c'est rouge, est-ce qu'on y met des petits glue dots? Allez, on va tenter. Des petits glue dots rouges. Oh là 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 là. Le blanc est magnifique. Le rouge, c'est une tuerie. On dirait que je mets des petites baies rouges dans l'arbre. Je vous annonce que ce produit est splendide. Ne tardez pas. Si vous aimez faire vos propres petits embellissements, et ça sèche assez vite, hein, franchement. Alors, il faut faire attention par contre de ne pas trop comme les macarons, il ne faut pas faire le petit bec. Oh mon Dieu, regardez si c'est beau. Ouais, je sais, j'en mets beaucoup trop, mais j'adore ça. Nathalie, avec plaisir. Ça fait des petites baies en relief. Bon, c'est beau. Et donc, je vous dis, ça sèche assez vite, puisque sur la carte d'Halloween, je les ai fait ce matin et elles sont sèches. Alors, il faut faire attention après quand on pose des choses dessus. Voilà, trois versions. Et sur celui-ci, ben, je pourrais mettre des petites baies blanches. Regardez, je peux les rajouter. Ça va faire très très beau. Je suis ravie de ce produit. Quand on n'a pas de glue dots ou de trucs comme ça. Franchement, le blanc, ça va avec tout. Hein. C'est intemporel. Le rouge pour Noël et tout ça, pour faire des petits... pour les fleurs et tout. Et le noir. Oh, le noir est trop beau. Donc ça, c'est les essentiels. Effet laque nacré noir, gonflant. Enfin, pas gonflant, relief, comme des glue dots.
Voilà. J'espère que ça vous a plu. Oui, je vois vos commentaires. Je vais mettre ma petite tête. Je vous rappelle, oui, les cadeaux, ils sont là. Les nouveaux cadeaux de la SAB. Merci. Tu n'avais pas vu Halloween, Sylvie? Oui, Halloween est... Merci Sandrine pour... Je regarde un peu vos commentaires pour avoir mis la référence. Je sais pas ce qu'il avait demandé, mais c'est gentil. Bon, eh ben, je vous souhaite. J'avais quelque chose à vous dire pour celle du groupe. Il faut que je fasse le tirage au sort. J'ai zappé hier soir. On était ensemble et d'une chose à l'autre, on a discuté. Il faut que je fasse le tirage au sort parce que ce mois-ci, le cadeau hôtesse que vous allez recevoir, c'est la neige gonflante. Je referai un petit tutoriel pour voir comment elle marche. Il faut avoir un pistolet chauffant par rapport au Blue Dot, là où ça sèche tout seul. Et il y a le cadeau hôtesse mystère. Donc je tirerai au sort pour savoir qui c'est qui va gagner le set de tampons. Ce mois-ci, c'était le set de tampons. Le mois dernier, c'était une mini-machine. Et ce mois-ci, ben, je pense que je vais refaire le set de tampons avec les petites souris dans le catalogue annuel. Ou le set de tampons hôtesse offert avec les grenades. Voilà, je me laisse le choix de voir ce que j'ai en stock et ce que je pourrais vous offrir. Et le cadeau pour les commandes ce mois-ci. Le mois dernier, nous avions fait le papier de marque. Le masquage le mois d'avance, le mois dernier, la neige gonflante. Ce mois-ci, je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez envie de quelque chose? Claudine, sacrée souris. Tu les as pas vues, ces petites souris là sous le lampadaire? Elles sont trop belles, elles sont habillées. Franchement, ça fait pas souriceau qui te saute dessus, ma Claudine. Mais si tu veux, je t'enverrai un set de tampons avec un chat. Le chat attirera la souris. Donc je me laisse, je vous en parlerai sur le groupe où je vous le dirai. Pour toutes celles qui passent ce commande, vous recevez des cadeaux et c'est toujours un plaisir. Je me fais une joie de vous préparer vos colis. Je crois que j'étais la tête 1 dans la bannière. Allez, je vous embrasse, je vous dis à mercredi prochain. Qu'est-ce qu'il y a mercredi prochain? Oh, mercredi prochain, on va faire une spéciale hippo. Toute la semaine, ça va être spéciale hippo. Cette semaine, on finit sur les cartes-notes, sur la colorisation, sur le petit renard, les oies, cet oiseau magnifique. Et la semaine prochaine, ça sera spéciale hippo. Chantal, je ne sais pas si je t'avais fait un gros bisou, un gros coucou. Je t'embrasse. Merci d'être passé. Merci pour tes commentaires toujours sur le YouTube. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Vous y verrez pour l'instant, cet été, la même chose. Mais de temps en temps, j'y mets des autres tutoriels. Donc, et il y a des vieilleries, comme on dit au Québec, des vieilleries à aller voir. Il y a une belle bibliothèque et c'est plus facile à retrouver que sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Et je vous embrasse. Oui, je sais que vous les adorez. Je ne les ai pas assez travaillés. Donc hippo, hippo, hippo. Et j'ai fait des blagues foireuses. Je vous les laisse découvrir en publication. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos, de renseignements, de questions sur l'activité de démonstratrice, sur le kit de démarrage, sur les cadeaux, sur quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler, vous avez mon numéro de téléphone ici ou m'envoyer un mail. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et hydratez-vous.